Bonsoir Théo. Ce soir, un match amical, mais peut-être un tout petit peu différent pour toi, puisque tu retrouvais la pelouse de Virton. Ouais, c'était un match saveur particulière. C'était la première fois que je revenais depuis que je suis parti. Donc c'était des sensations un petit peu différentes. Retrouver l'odeur déjà quand on arrive, ça fait drôle. Changer de vestiaire et voir la nouvelle tribune aussi qui est sympa. Revoir le coach, ça m'a fait plaisir. Voilà. Pour ta part, tu as désormais rejoint Tubize, un club de D1B. Comment est-ce que tu te sens dans cette préparation et comment est-ce que tu sens l'équipe pour aborder cette nouvelle phase de championnat? Moi, je me sens bien. Après 2 ans sans jouer, je suis content de retrouver une équipe qui me fasse confiance. Maintenant, pour l'équipe, on a fait un mauvais résultat aujourd'hui, mais voilà, on commence le championnat la semaine prochaine. C'était pas grave si on perdait. Ça aurait été mieux pour la confiance, mais bon, maintenant on a encore des réglages à faire la semaine, bien se préparer et pour bien commencer la semaine prochaine. Comme tu dis, tu as eu 2 ans pratiquement sans jouer. On peut dire que ton départ après ici, l'Excelsior de Virton, était assez compliqué. Oui, ça s'est passé. J'ai signé à Moucron, il y a eu un changement de direction, un problème de papier, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été moyens, qui n'ont pas tourné en ma faveur, mais bon, après c'est le football, c'est la vie, c'est pas grave. Maintenant j'ai un club et je suis heureux. Aujourd'hui, tu as retrouvé Virton. Est-ce que tu as un petit mot peut-être à dire face à cette équipe, peut-être son niveau actuel et de ce que tu as connu par rapport à ton époque? Moi, je pense que c'est pas du tout la même chose par rapport à mon époque. Moi, j'étais déjà arrivé en pleine saison, donc c'est différent. Après, pour avoir joué en amical Dender et Châtelet, je pense que ça va être Virton va être un gros calibre du championnat. Je leur souhaite aussi. C'est un club qui m'a marqué, qui a marqué ma carrière et ma vie, donc j'espère qu'ils pourront remonter rapidement. Enfin, tu dis c'est un club qui t'a marqué. Est-ce que tu as peut-être une anecdote ou un élément spécifique que tu retiendras à vie de ton passage à l'Excelsior de Virton? Des souvenirs, j'en ai plein. Après, des souvenirs de match, je me rappelle le match contre Saint-Tron où les supporters avaient mis les fumigènes. Ils avaient mis une super ambiance. Je me rappelle après des anecdotes de vestiaire avec Guy Blaise, avec Jade Cassery, Fabien Tunès et Alexis Lafont, avec qui on est toujours en contact. Donc vraiment des super souvenirs et des amitiés qui vont durer après. Merci beaucoup Théo. Merci.